Re-YouTube, on est toujours sur Horizon Zero Dawn et on va faire plein de petites quêtes parce qu'il y a 1 million de petites quêtes et moi j'adore les quêtes, les petites quêtes, les grosses quêtes, les moyennes quêtes, les quêtes dures, les quêtes, les quêtes moins dures. Toutes les quêtes me vont, on adore ça, on adore ça les quêtes. Et c'est un refus pour l'instant. Ah! Salut, je viens et ça parle de toutes les quêtes. Toujours, toujours! S'il y a rupture, le côté PC après un long couple. C'est donc pas une rupture de mon point de vue, c'est se raccrocher le PC, c'est pas une relation. Mais non, mais à quelqu'un d'autre? Non. Hein, quoi? Attends, j'ai mal compris? Attends, j'ai mal compris? C'est quelqu'un d'autre. Ah ouais, non, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Non, Gigit, c'est pas Alex. Hein. C'est pas Alex. Non, enfin, je crois pas. Hein. Blacky, dis-nous tout. On veut tout savoir. Ça, c'est fait. Ah non, là, faut aller sécuriser les trucs corrompus, d'accord. Ah mais June, on n'est pas loin de June. Oh mais la vengeance d'une fille. Regardez, on est encore moins loin là. Aide-nous, s'il te plaît. Je l'ai bien cherché. J'aurais dû sortir de là vite fait. Quoi? Ah oui, c'est Solai, ok. Tu es Solai? Yann m'a dit que ta nièce était peut-être venue, Nakoa. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Ouais, voilà. Écoute, je veux c'est vous plutôt cool. Je suis une chercheuse, je vais au nord. Yann m'a demandé de la retrouver. Ce que tu diras restera entre nous. Je lui ai donné des vivres pour son voyage. Elle allait au rempart vers le nord pour chercher Zaïd. Je n'ai pas réussi à l'en dissuader. Sa voix me dit quelque chose à elle. On est 4 positifs ici. Ouais, non. Que des quêtes, pas de quêtes négatives. Hein. Est-ce que tu peux me dire quelque chose sur le rempart? C'est une forteresse Karja, à la frontière. C'est là que ces barbares parquaient les prisonniers Nora, avant de les envoyer et de les sacrifier à Méridian. J'ai voulu empêcher Nakoa d'y aller. Trop dangereux pour une Nora seule. Mais elle était décidée. Elle ne vit que pour retrouver ce Zaïd. Qu'est-ce que tu sais de Zaïd? C'est une bête enragée, un assassin. Le pire chef des Raids Rouges. Il a abattu mon frère sous les yeux de Nakoa caché dans l'ombre. Je l'ai supplié de ne pas y aller. Mais une partie de moi la soutient. Moi aussi je souhaite la mort de Zaïd. Tu ne peux pas t'imaginer ma souffrance. Il a mutilé mon frère. Mais il est toujours libre de ses faits et gestes. Si, je comprends. Plus que tu ne le crois. Ouais. Je chercherai Nakoa quand je serai au rempart. Je ne sais pas si tu pourras entrer. On m'a dit qu'ils avaient fermé les portes à cause de la corruption qui ronge les machines. Maria pourra peut-être t'aider. Mais ne lui explique pas tes raisons. Compris. Je dirai rien. Ok. Ça, c'est fait. Donc le rempart. Et c'est bien, c'est la suite. Donc on le fera. On le fera. Les tâches. Sanctuaire. Ah non, ça faut que j'y retourne. La zone de chasse, ok. Et le creuset. Ça c'est, mais ça c'est au nord ça. Putain, à chaque fois je sors en fait, j'ai pas besoin de sortir. Ouais, ça c'est au nord. C'est le nord. C'est le nord, petit. Et ça c'est au... c'est le nord aussi. D'accord.
Et là, c'est quoi? Ah, et là, c'est le sud. C'est le sud. Ah, mais Yoon. On peut aller voir Michael Yoon. Hop, bon, on va faire la quête de Michael Yoon. Je capte rien, mais ouais. Certaines choses nous dépassent. Elle a donc survécu. Ah, on dit régulier. Bah non. Justement, maintenant, a priori, on dit plus régulier. Hein. Tu sais, on est des vieux maintenant. Hein. Mais pour combien de temps? Je suis dans mon cours de 5ème, je vous laisse. Bisous, Gigit. Merci d'avoir été là. J'ai gagné en expérience. Est-ce que tu as... est-ce que tu as des... Est-ce que tu as eu Blackie des... Du pourquoi du nom? Allez, finissons-en. Pas rapide, hein. Ça a été très rapide. T'as le droit de dire non, moi j'ai dit non à ma belle joggeuse, juste pas dans le mood. Ouais, non, mais je demande, j'ai pas dit le contraire. Tu as presque OS qu'à la première flèche, machin. Bah oui. En même temps, les galopeurs, c'est simple. Hein. Ah, mais faut que je passe par où là? Ah, mais je suis complètement gouré quoi. En fait, là où il y a la montagne infranchissable. Merde. Je peux... Oui, non, c'est compliqué. Faut que je passe par l'autre chemin, là. Faut que je longe. Faut que je longe la côte. Voilà. Regardez, il y a une autre sortie. C'est quoi, là-bas? Un dent de scie. Ah ouais. Les cornes filantes. Bah je crois qu'on va casser de la gueule du Dancy hein. Oh mais maintenant je peux avoir tellement de flèches. Oh là là, regardez les flèches. Plus jamais je recharge de ma vie. Plus jamais j'ai besoin de recharger. Les armes cachent des surprises. Ouvre l'œil à l'œil. Hop. Ah là, regardez. Petit feu de camp là. Quartier GPN n'est pas bien à jour, mais si. Aïe! Oui, il m'a fait mal. Salaud. Hop!
va apprendre à pirater ces machines là de la vie. What? Okay. D'accord. Il n'y a plus de bêtes là. Oh, voilà, il n'y a plus de bêtes. Et quoi là-bas? Un veilleur. Mais un veilleur qui est mort. Voilà. Il faut que je continue. Je continue ma route là. Ça se gardera. C'est bon, là-bas ils m'ont pas vu. Il est discret. Je vous relis dans quelques minutes pour vous répondre. Je suis allé au WC. J'ai fini mes négociations. T'as la meuf, elle a négocié au WC quoi. Est-ce que vous y croyez? Comme disait quelqu'un, these federation types are cowards. Negotiation will be short. Ça dépend combien de temps on met à faire caca. Hein. On sait pas. Hein. Des bâtons. Donnez-moi les bâtons. Plein de bâtons. Ok. Une pierre. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je vais mettre ça de côté. Petit lapin. Je tire au pif. Hein. Il est où? Oh, il se cache bien. Ils savent bien se cacher les lapins. Hein. C'est beau, putain. Ça me donne envie de faire de la rando, ce jeu. Elle les a fini après, vous êtes sûr? Pas négocier avec les terroristes, t'as quelques balles dans la tronche. Il fera ce qu'elle veut. Ouf, voilà, c'est pas bon. Hein. C'est nécessaire, une balle dans le genou. Ah oui, comme ça, carrément quoi. Ah, regardez! Il y a un pas copain. Alors je suis allé au WC en revenant, j'ai fait mes négociations. Ah d'accord. Théoriquement, les membres de la Fédération du Commerce ne sont pas des terroristes. Ça ne passe pas non plus le cas présentement en ce qui concerne le négociateur de Blackie. Ouais, blablabla. Il m'a vu? Putain, il m'a vu. Oh là là. Merde. Quoi?
Hop là. Putain, il y en avait plusieurs. Putain, mais c'est la guerre! Putain, c'est la guerre, mon colonel, là. Putain, c'était pas prévu, ça, hein. Reste tranquille. C'était pas prévu qu'il soit 50, hein. Moi, j'aime pas trop ça, hein. Ah, je les ai pas vus, hein. Il a scanné là. Ah oui, t'as vu ton copain? Allez. Merde, il a vu son copain aussi. Regardez. Hop. Et une grosse bastos après. Ça c'est bon, c'est fait. Ça y est, je crois que j'ai le truc, hein. Je crois que j'ai le truc. Une balle, t'es gentil toi. Direct, oh, oh. On va au rocket, au lance, ouais, au rocket launcher ou au lance-flamme. Comment ça je me transforme en poulet? Comment ça je me transforme en poulet? En poulet, les flics? Ah non, hein. Ah, j'accepte les insultes, mais quand même pas trop loin, hein. Déconnez pas, hein. Je veux bien que de temps en temps, on dit des trucs, quoi, mais... Allez pas trop loin quand même. Déconnez pas, hein. Alors, je peux prendre le chemin normal. Je peux prendre le petit chemin, là. Il y a un petit chemin différent là. Allez, déconne pas à l'œil. Oh là là, elle veut jamais monter sur les trucs. Hein. Il y a un feu de camp. Ah, un débris. Ah ouais, les débris. J'ai pas vu. Et j'ai trouvé une montre. Il est où le feu de camp? Il est là. Hop! Maintenant, poulet, genre le truc qui commence à marcher, même sans tête, genre l'animal. Qui continue de marcher. Je suis mal placé pour traiter les genres de flics. J'ai littéralement couché avec l'ennemi. Non, mais c'est moche. Alors, PCR inclut que ce soit régulier, mais permet d'avoir des partenaires différents. PCF permet que ce soit un engagement exclusif. Version couple, sans engagement de sentiment ni habitude. Non mais... Non, c'est complètement con. C'est complètement con, un plan cul exclusif. Est-ce que vous avez entendu des choses comme ça dans votre vie? Des plans cul exclusifs. Exclusifs, ce soir. Du plan cul exclusif, mais c'est du couple. C'est juste les gens qui n'ont pas envie de se le dire. C'est juste les gens qui n'ont pas envie de se le dire, mais qui s'appellent comme ça, quoi. Y a pas de sentiments, mais qui a des sentiments au début?
qui a des sentiments au début quand on couche avec les personnes? Si c'est rare quoi, enfin ça arrive, mais c'est quand même rare d'avoir des sentiments dès que tu vois la personne quoi. Donc voilà, tout le monde est comme ça au début. Donc dire on est des plans cul fixes, pour pas dire on se met en couple, c'est un peu naze. Je trouve. On ne juge pas, hein. Mais je trouve que c'est juste être dans le déni, quoi. Il est où ? Je suis enfermé ! Ah, il est bien con. Il y a quelqu'un ? Il s'est enfermé chez lui. Loué soit la toute mère. J'ai cru que j'allais mourir là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une bande de parias, voilà ce qui s'est passé. Ils sont entrés, ils ont volé mon Soul Reaver, ils m'ont tabassé. Oh non, ils ont volé le Soul. Bah c'est se fréquenter, mince. J'ai encore une catégorie à part. Une bande de parias? Oui, je te dis. Ils ont enfoncé la porte. J'avais aucune chance. Ils ont pris le Soul Reaver et m'ont laissé pour mort. Perso, pour moi... Attends. Pour moi, PC de base, c'est un plan cul régulier. Bah non, mais... Maria volerait du Soul Reaver. Mais parce que c'est le plus précieux de mes remèdes, bien sûr. Les sales voleurs. Ils n'ont rien pris d'autre? Non, je te le dis. Eh, tu veux parler meilleur, toi? Ils marchaient avec des étrangers. Ils veulent des éclats et ils tueraient pour en avoir. Eh? Tu vas me parler meilleur, hein. C'est parti où, ces parias? Je suis là pour t'aider, hein. Montagne, je crois. Tu peux les rattraper si tu te dépêches. En tout cas, te laisse pas avoir par leur apparence misérable. Ils te tueront dès qu'ils te verront. Faut que je reprenne mon souffle. Oui, tu pourrais essayer de te taire pour commencer. Ah ouais, voilà, tiens. Ah, c'est bien, ça. Les parias ont dû laisser des traces. Mon focus... Bon, quelqu'un a quitté cet endroit récemment, et de façon précipitée. Il va falloir qu'il me parle meilleur, lui. Hein. Alors, j'ai les traces. C'est merveilleux. Ouais, ils doivent être juste au-dessus, quoi. Après, en Suisse, le plan Q, c'est la PC. C'est quoi la PC? Qui ont volé le Soul Reaver. Ils ont des ennuis. Merde. C'est ça, barre-toi. Oh là là, en plein dedans, quoi. Non ! Reviens, petit connard ! Il s'est barré, ce sale con. J'en aurais besoin. Reviens, sale con. Bien joué.
Merde. Hop là. Oh, il est vénère. Oh, il est pas content, le toutou. Aïe. C'est bon. Eh, le Dante, il est mouru. Ils sont où? C'est la protection civile, ah ouais, en gros les gens qui font l'armée, qui veulent pas faire l'armée, donc ils sont réquisitionnés s'il y a des catastrophes ou des trucs genre Covid pour aider. Ok, d'accord. Et je sais pourquoi le refus, l'invitation pour lui reste ouverte jusqu'à ce que ma situation en change, et comme j'ai vraiment pas prévu de me recaser dans les médias, il y a de la marge pour lui. Ok. Non mais votre truc là, c'est mise en couple quoi, enfin faut... Enfin j'ai l'impression que... Ta proposition, c'est un peu être dans le déni quoi, c'est proposer un truc, mais derrière... J'avais eu une proposition comme ça un jour, une nana qui m'avait dit « Non mais si tu veux, si tu veux, on n'est pas en couple, on dit qu'on n'est pas en couple, mais par contre, du coup on va être exclusif, et puis on va aller au resto ensemble, on va aller au ciné ensemble, on va passer nos week-ends ensemble, mais derrière on sera pas un couple. Hein. » Elle s'est fait « Ah !» Donc en fait on va faire tous les trucs de couple. Mais on va juste dire qu'on n'est pas les pour qu'on n'est pas un couple. Voilà. Ok. Si c'est quoi la différence du coup? De paria signifie quelque chose pour toi. C'est le cas. Tu nous aides et en plus tu nous parles. Les matriarches m'ont banni à la naissance. Je ne me plie pas aux lois des Nora. Alors c'est toi cette fille qui n'avait pas de mère. Mais tu n'es plus paria. Non. Maintenant je suis chercheuse. Je cherche du Soul Reaver. Ça va être un problème. C'est un concept, hein, ouais. Pourquoi avoir volé le Soul Reaver? Mais pour soigner nos blessés. Pour quelle autre raison? La tribu vit actuellement des temps terribles. Les braves ne protègent plus personne. Les machines sont en colère et les bandits nous pourchassent à travers les terres sacrées. À ton avis, pourquoi des parias enfreindraient la loi et s'associeraient? C'est parce que nous n'avons pas le choix. Mais tu sais, on n'est pas des voleurs. On a laissé des éclats dans les cachettes et voulu piller June. Mais bien sûr, il n'a pas voulu nous parler. Pour quel crime avez-vous tous été bannis? J'ai frappé un homme qui avait pris ma proie. C'était ma faute. Les autres ont volé, enfreint la loi ou sont entrés dans les vestiges de l'âge de métal. Il n'y a pas de meurtrier, si c'est ta question. J'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de gens qui se font virer. Hein. Il était trop occupé à brailler pour comprendre ce qui se passait. C'est un lâche. On lui a fait aucun mal, mais évidemment, il n'a pas remarqué. D'autres ont besoin de Soul Reaver. Vous ne pouvez pas tout garder. C'est une question ou un ordre? Non, c'est une simple discussion. Je vois. Merci Artax. On n'a peut-être pas besoin de tout. Après ce qui s'est passé, on avait peur. On a pris tout ce qu'on pouvait. Tiens, j'en garde un peu, mais le reste, qu'il aille à ceux qui en ont besoin. Je lui ferai comprendre. En attendant, soyez prudents et restez ensemble. Cool. Est-ce que je peux activer le... Le feu de camp là-bas. C'est quoi là? Ordre de nous. Je descends vite. T'inquiète, t'inquiète. Il est où le feu? Il est là-bas.
Hop. Et voilà, normalement il est accessible maintenant. Trop bien. Le problème c'est de ma faute, j'ai un bug de notif. Comment ça? C'est quoi le souci? C'est rigolo de te remercier plusieurs fois. Désolé petit dindono. Et je suis d'accord avec Johanna. L'important c'est que tu trouves quelqu'un et qu'il soit bien et qu'il prenne soin de toi. Je la préparerai plus tard. Qu'il comprenne un petit peu tes envies et tout. Mais parle vrai quoi, tu vois. Enfin, ça sert à rien de... Ça sert à rien de te cacher derrière des termes qui n'ont pas trop de. Ont pas trop de sens ou quelque chose dans le genre, tu vois. Enfin, c'est. Si t'as envie d'un truc sérieux, vas-y, quoi. Demande un truc sérieux. Ça, pour le réalisme, c'est vachement bien. Le fait que quand la pente devient. Enfin, quand elle est en train de courir, et quand la pente devient un petit peu plus pentue. Eh bien elle tombe un peu. Hein. Elle glisse. Et je trouve ça tellement malin. C'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose, mais ça ajoute au réalisme. Et je trouve c'est vraiment cool. Voilà le Soul Reaver. Apporte-le à Fia à l'aube de la mer. Il y a des braves blessés qui en ont grand besoin. D'accord. Et sinon, à propos des parias, ces punaises ont payé pour leurs crimes. Un peu un connard, toi. Hein. Se rassembler. Ensuite, parler entre eux. Et à nous. J'espère que tu as été sans pitié. Tu ne sais pas qui je suis, hein. Je devrais. J'ai passé mon enfance en paria dans les montagnes qui dominent le cœur de la mer. Ah oui, t'es la sans mère. Si j'avais su, jamais je t'aurais adressé la parole. T'es un connard. J'ai pas compris, de lutte ouvrière. Les gens de lutte ouvrière sont meilleurs qu'au Parti communiste français, c'est vrai. Good genius. C'est pourtant la sans-mère qui t'a libéré et qui a récupéré ton Soul Reaver pour la tribu. Peut-être que si tu jugeais moins les gens, tu serais moins seul. Je n'ai pas besoin des autres. Mais finalement, June, tu vis presque comme un paria. Bon, je m'en vais. Veille à ce que Fia obtienne ce Soul Reaver, ou je reviendrai. Ah, t'es un beau gros con, lui. Hein. J'ai quand même pas compris. Mais il comparait juste les gens du Parti communiste français et des gens de lutte ouvrière. C'est tout. Voilà, c'était une petite blagounette. Comment ça va par ici? Eh ben écoute, ça, on avance bien sur Horizon. Je suis tellement content. Le jeu est bien, le jeu est bien. Vous n'avez pas idée à quel point le jeu est bien. Enfin si, si vous avez joué, vous avez une idée. C'était où ça? Je me rappelle plus. Ça c'était encore plus haut. Ah ça sera après ça. Ça sera après. Quoi, j'avais ça. Parmonts et Fourche-Vallon, là. Ok, c'est là-haut. C'est quoi, ça? Zone corrompue. Ah oui, d'accord. Ça, c'est la zone corrompue. Dans les quêtes, le creuset. C'est où? C'est à Tatooine. Non. C'est pas ça je veux, c'est pas ça je voulais. Le sanctuaire. Hop. Ça je peux faire ça.
Ça, je peux faire. En plus, j'ai un feu de camp pas loin. J'ai deux feux de camp pas loin. Parfait. C'est vrai que j'ai les crashers. Je fais juste une petite pause. Je fais vraiment une pause, deux secondes. Comment on sort d'ici? Comment on sort du jeu? Allez hop, petite pause. J'ai juste envie de faire pipi. Il y a le thé qui fait effet. Donc à tout de suite. Ah bah, j'avais laissé le... Vous avez dû entendre le gros soupir. voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, il y a mon OBS qui déconne. Vous êtes toujours là, hein? Attendez, je vais regarder. Est-ce que mon disque est plein? Est-ce que j'aurais fait le connard et j'aurais... Non, bah non, c'est bon. Il y a OBS qui me dit que mon disque sera plein dans un nombre négatif. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Numberity qui nous parle des militants de trotskistes, c'est vachement bien. Je suis tellement à chaise de ma semaine, j'ai déjà fait deux nuits, c'est pas mal. J'avais commencé Horizon Zero Dawn, je pense le reprendre maintenant qu'il est opti PS5. Et ouais, bah après, je sais pas si tu l'as sur PC. Sur PC, il tourne bien. T'es originaire de Tatooine. Non, moi j'ai dit Tatooine. C'est différent. T'as de la chance. Deux nuits, c'est le nombre de nuits de sommeil que j'ai depuis lundi. Oh! Mais comment ça se fait, Goebbels? Que se passe-t-il? Vu la bulle vécue pendant ces deux jours en vacances, j'ai jamais douté de ça avec ce copain. On se connaît depuis 6 ans. Il n'a pas envie d'engagement et moi non plus. C'était l'occasion de proposer ça. Ces deux jours passés à 20. Je me sens en forme de respect du bien de l'un et de l'autre. Pour le coup, tu m'as vraiment de raison de te faire du bien avec qui tu veux. C'est vrai. T'as des insomnies, Gabel. Putain, c'est chaud ça. Je dirais bien que je peux comprendre, mais je peux pas comprendre en fait. J'ai jamais eu de... Jamais eu d'insomnie. Si, j'en ai eu deux dans ma vie, quoi. Regardez les petits enfoirés, là. Ah, mais ils sont revenus, finalement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me téléporte? Ouais, je vais me téléporter, hein. Oh, c'est tellement... Non, c'est loin, là. C'est loin, on va se téléporter, ça va être parfait. J'ai eu peur parce que j'arrive, j'entends un bordel monstrueux. Je me dis, que se passe-t-il? Mais non, ça c'est mon copain. Sacrée machine quand même. Hein. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je vais pas faire le bon truc? Si. Ah, oh, oh là, oh là. Olé! Merde. Oh le bait! Pas très maligne quand même. Hein. Pas très maligne ces machines. Hein. Je l'accueille. Qu'est-ce qui est... Ah oui, d'accord, c'était les veilleurs qui sont... Ok. Elle est où? C'est où? Ah, est-ce que ça serait pas là? Comment on rentre? Comment on y va? Ah, y'a un poisson. Petit poisson. Viens par là, petit poisson. Oh, y'a des poissons partout. Et vous savez, faut que je récupère une arête de poisson là. Je
Je vais devoir faire sécher mes bottes. C'est rigolo ça. J'aime bien ce genre de petite réflexion. Et j'y vais complètement au pif hein, parce qu'on voit pas. Hein. Il y a de la viande de riche, vous avez vu. Oh, c'est où l'entrée là? Visée auto? Ah non, du tout en fait. Hein. Il y a peut-être une aide à la visée. Il y a sûrement une aide à la visée, je pense. Mais Il y a eu un combat. Qui en est sorti vainqueur? Ces machines ont reçu des flèches de brave. Ça a dû être le chaos. Ah oui, d'accord. Et Les traces de machines vont vers les ruines. Il y a des... Coucou Bibi. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais pas. Deux insomnies dans ta vie, c'est un nombre d'insomnies que j'ai eu depuis ma dernière nuit de sommeil. Non, non, mais clairement, j'ai du bol, hein. Je sais que j'ai du bol. Hein. Number 80, ouais, qui est insomniaque, mais il y a la dépression aussi qui aide pas, évidemment. Je me suis complètement laissé porter par mes émotions, j'ai débranché le cerveau pour ces deux jours de bulles de tendresse. Mais ça fait du bien. En plus, enfin voilà, après les derniers événements dans ta vie sentimentale, je pense que c'est plutôt pas mal, quoi. Point positif de tout ça, hormis ce que j'ai déjà dit, la bombe émotionnelle est désamorcée, je me sens mieux. Bah voilà, bah tant mieux. Bon bah ça avance, bah maintenant laisse-toi du temps et évite de... Enfin, le meilleur conseil que je peux te donner, ouais, ouais, c'est évite de nier des sentiments que tu peux avoir ou d'être dans le déni en fait là-dedans. Quand t'as envie de quelque chose, voilà, parle-en quoi. Cette nuit, couché à 4h, levé à 6. Ça fait une bonne... ça fait une bonne sieste. C'est à peu près les siestes que je fais. Ouais, bah voilà. Une sieste, quoi. Ouais. Donc, Rebibi. 20 points de QI en moins, d'après le médecin. Ça va revenir, hein. Ancien insomniaque ici, ça m'arrive encore tous les mois. Écoutez, MFM. Où il y a eu un raté. Deux heures de dodo cette nuit, j'ai pas les mêmes insomnies. Alors là, je sais pas comment vous faites. Hein. Je sais pas comment vous faites parce que moi juste si ma nuit a pas duré 12 heures, je suis déjà crevé. C'est assez ouf. Hein. C'est très rare que je fasse des nuits de 12 heures, donc je suis crevé tout le temps. Mais non, mais des nuits de 2 heures quoi, mais je pète un plomb quoi. Tu es les dents de scie? Ils sont où? Ils sont là. Ah, il y a des mecs. Et chum. Je vais avoir deux dents de scie à buter quoi. Vraiment. Le jeu, plus ça va, plus il me met des trucs compliqués hein. Vous vous rappelez? Ah, la première fois, j'ai cru que c'était un boss. En fait, non. C'est juste des ennemis normaux. Un bisou à ceux que j'ai pas encore croisé. Je suis toujours là, mais discrètement, car je bosse. C'est bien que tu bosses. Et ouais, Number 18 nous en avait déjà parlé régulièrement. Il fait des nuits blanches, ouais, plusieurs jours. Toute ma première année de Beaux-Arts, j'ai passé mes nuits à écouter MFM. C'était efficace. Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi MFM? Je compatis pour les troubles sentimentaux et physiques. En bon, en vrai, moi j'ai insomnie, je pète juste trop la forme pour arriver à m'endormir, même si j'essaie. J'essaye. Je me concentre très fort et j'essaie. Souvent, c'est le pire. Hein. Non, non, mais moi, enfin, c'est ce que je dis, je dors excellemment bien. Enfin, je m'endors excellemment bien. Et les fois où je m'endors en moins de... Enfin, en plus d'une minute... sont extrêmement rares
Et quand je commence à tourner depuis 5 minutes dans le lit, je me dis mais merde, mais pourquoi je dors pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je vais redormir un jour ou pas? Donc j'ai conscience d'avoir de la chance quoi. Ah merde! Ça fait mal hein. Mais reviens! Reviens petit connard! Viens mourir! Allez! Et de 1. Non! T'as pas le temps, t'as pas le temps! Reviens là toi. Merde, loupé. Allez hop. C'est bon, on peut sortir. Les dents de scie sont morts. Ah, désolé hein. Fallait juste que je me concentre un tout petit peu. Ils sont où? Ils sont là-bas. Après, j'ai un super entraînement avec un bébé qui a pleuré toutes les nuits pendant 13 mois. C'est lequel, Bibi, qui a fait ça? Je pense qu'on en parlera, copain, de dire ce que j'ai envie par... ok. Ah, mais tant mieux. Fais pas, on active le mode survie, on tire et ça pète. Quoi? Hein? Quoi? On fait pas. Hein? Quoi? Hein? Je fais nuit blanche au téléphone, 14h le réco. Non mais... Alors, en même temps, si tu te laisses éveiller, enfin tu vois, c'est ça, être au téléphone avec quelqu'un, bon, ça aide pas à dormir quoi. Je pense vraiment tant qu'il est temps que je vois une psy. Moi, une hôtel de Saturne, c'est clair. Une radio qui fait dormir. Ok, MFM, c'est une radio qui fait dormir, d'accord, ok. C'est une radio qui passe mes lives en fait. Selon les envies de Blacky, MFM c'est une radio qui passe mes lives. Et donc tout le monde s'endort. Je suis pas très téléphone à la base, nous dit Numberity, ouais. Pour voir une psy, je te conseille, ça aide énormément. Enfin, à dormir. Pas à dormir, toute évidence, mais pour le reste, ça aide. Bah, c'est cool. C'est cool si ça vous fait du bien, hein. Clairement. Il est grand temps que ça s'arrête, tout ça, tout ce truc de ah là là, si on voit des psys, c'est parce qu'on est dingue. J'ai déjà entendu des trucs comme ça. Hein. C'est cool que ça se déverrouille et que les gens puissent y aller sans se prendre la tête, quoi. Bibi aussi qui confirme que la psy, ça lui a fait du bien, et Number 80 qui dit que ça l'a pas aidé, quoi. Le sommeil, c'est comme la bouffe, c'est la santé, point. Bah non, mais clairement. Ouais. L'insomnie, c'est pleurer de fatigue, ne pas pouvoir dormir, ne plus pouvoir lire, c'est dur. Ah, c'est tellement des trucs que je connais pas, quoi. Et revoir Gigit. Faut trouver le bon. Ah, par contre, ouais, c'est clair que si vous allez voir une psy... Vous allez voir une psy sans avoir confiance. Oui, non, c'est pas le bon truc, quoi. Une psy qui a réussi à me percer mon masque, a trop insisté pour connaître ma vie intime. J'ai pas voulu. Je passe dans la chambre, reste dans la chambre. Ok. Numéro 2, il a eu des otites sur otites jusqu'à se faire opérer. Parler de douleur, on pouvait rien faire. Ah, ok. Il pleurait de douleur, ok. Aucun limiteur psychologique, moi je suis un vrai con là-dessus. Ça, il devrait pas avoir le droit normalement. T'as le droit de dire ce que tu veux.
Ils ont pas le droit de te forcer à dire des trucs que tu veux pas partager. A priori, ils l'ont pas forcé non plus, mais voilà, c'est peut-être qu'ils sentaient qu'il y avait un sujet à travailler et que derrière, ils ont peut-être insisté, enfin, insisté un petit peu, ce qui est pas une bonne manière de faire, hein, mais on peut pas te forcer. Mis à part à te mettre les pieds dans une bassine et une batterie de voiture, y a pas grand moyen pour te forcer, quoi. Je pense qu'il faut que j'évacue plusieurs traumas enfouis. On me donne des clés pour mieux gérer mon hypersensibilité ou émotivité. C'est le moment que je me pose régulièrement de possibilités que je sois neuro-A. Tu verras bien. Mais clairement, avoir de toute façon, enfin, rien que la psy, avoir quelqu'un d'extérieur vraiment qui vous dit un petit peu son avis et qui soit un professionnel de santé, c'est plutôt cool, quoi. C'était très dur, on a des copains qui ont reporté leur projet bébé tellement on leur faisait peur. Ah ouais, quand même. Ah oui, quand même. Je le dis tout court, je suis fou, mais c'est pas pour ça que je voyais une psy. Non, non, mais c'était le contraire, tu vois. On disait que les gens qui voyaient des psys, c'est parce qu'ils étaient, ils avaient un pet au casque, quoi. Ce qui est vraiment pas le cas, hein, clairement. Je conseille la chaîne YouTube Une psy à la maison, ça peut aider. Psy actuelle, elle demande rien. Les bébés, c'est jamais pareil, pourtant. Bibi, il y a assez, elle en a 3. Moi, j'espère que j'en aurai 0, hein. Putain, j'espère que c'est la bonne. J'espère que cette fois, c'est la bonne, hein. Se passe dans la chambre et si c'est une fatigue qui me demande, c'est sûr. On a marre, t'as moyen de m'envoyer un lien sur Discord. J'ai peur de pas retenir. T'es de vrais zombies, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Un psy m'a beaucoup aidé à ouvrir aux gens, entre autres. Donc, oui, un psy compétent pourrait t'aider à ce niveau-là. Ouais. J'espère que ma spi m'aidera aussi, mais clairement, une psy de CMP, je sais pas. Qui bosse avec un gros sans psy, elle gère. Super bizarre au début, elle dit bonjour, puis rien. C'est chaud. Ah ouais, d'accord. Bonjour. Et à la fin, elle n'oublie pas de te demander le chécos. T'es la paria qui est devenue brave? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu vous sauver les miches. Eden m'a demandé de vous retrouver. Tu fais quoi là-haut? Le Dancy a arraché nos besaces. Ma besace. Bref, sans nos armes, on a été obligés de se réfugier ici. Merci d'avoir éliminé ce monstre. On va pouvoir rentrer chez nous. Au fait, tu diras à personne que tu nous as vus ici, hein? Vu qui? Pas ton ami, en tout cas. Besoin d'aide pour descendre? On va se débrouiller. C'est pas pour te vexer, mais ce serait mieux qu'on nous voit pas avec toi. Les gens pourraient comprendre. Merci mec. Je viens vous sauver les miches. Et derrière, t'as pas envie d'être vu avec moi. Ok. Ok. Ça va. Je m'énerve pas. J'ai officiellement 0 enfant. Si vous voulez que je vous adopte, j'accepte les candidatures libres. Pas de chèque, centre de la douleur, service public de santé. Ah là là, ça paye même pas, dis donc. Ouais. Désolé, j'ai les meilleurs parents du monde. Je peux confirmer que c'est vrai que ses parents sont quand même pas dégueux. Hein. Toi et moi, plus eux, on se prend bien le truc en ce moment. Ouais, c'est clair. Si j'y vais, c'est déjà avec des idées de tête. Des idées en tête de trucs à travailler, on verra bien. La personne sûrement avec un plan d'attaque en fait. Ok, bon bah ça j'ai fait. Encore une petite quête là. Retournez voir Den. Merde, il est où Den, je sais plus. Bon, on va aller là-haut et après du coup on ira faire la corruption. On ira faire un Metroid Prime corruption après au-dessus. Allez, on se téléporte. La liste des irritants. Oui, vous ne connaissez pas la liste des irritants? Parle de tes élèves, c'est ça. C'est tous les élèves qu'elle va avoir qui sont des casse-couilles. On dit qu'elle s'est battue avec la férocité d'un Dante. Fais retrouver tes amis à l'endroit indiqué. Ils te rejoindront bientôt. Oh, merci.
Merci, merci, merci. Mais non, je dirais rien, arrête. Oh là là, il est chiant avec ça. Personne, hein. T'inquiète pas. Les matriarches sont en train de chanter l'hymne de rédemption. Vous ne risquez rien. Tu as raison. L'hymne va tous nous purifier. Merci. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais bon. Nice. Ah mais ouais, je dois avoir tellement de récompenses là depuis tout à l'heure là. Oh là là, les boîtes. Regardez ça, les boîtes. Ah non, mais non. Je voulais augmenter les trucs de potions. Ah, il me faut toujours les petits poissons. Les petits poissons. Les cinquièmes, c'est facile à dresser. Voilà. Alors là, le mien en tant que quatrième, il paraît que c'est les pires. C'est tout le temps les pires. Chaque année, c'est les pires. Alors, les choses que je supporte pas et qui j'ai compris me font switcher car je suis en diac de bipolarité. C'est dur à écrire, je le confesse. On verra bien ce que ça donne, ma guiguite. De toute façon, tu resteras de toute façon chelou à mes yeux, hein. Tu as toujours été. Il ne reste plus qu'à espérer que tes élèves ne se mettent pas à suivre les lives de Tonium. Ils pourraient tomber sur ce genre de discussion. Ouais, mais je pense pas qu'ils connaissent son pseudo. T'inquiète pas, je ferai un panneau 4 par 3 à l'entrée de chaque village pour compter l'histoire. J'ai pas trop compris la première séance lundi. Alors lundi, je vais voir si c'est vraiment, vraiment leur conclusion, car c'est la merde. Ça se tient bien, ouais. Enora, tribu totalitaire et sans subjectivité. Bonjour! Ah oui, non, mais j'en parlais tout à l'heure, je disais quand même comportement sectaire, hein, vraiment. Hein. Je trouve vraiment. Ça ressemble à une secte. Je l'ai bien cherché. J'aurais dû sortir de là vite fait. Me tirais-tu ce con? Sans elle, ils seraient tous morts. Petit poisson? Petit poisson. Subtilité, la subjectivité. Oh là là, mais je sais pas lire. Pourquoi? Non mais alors attendez. Arrêtez de mettre des mots de plus de deux syllabes dans le chat. Vous savez que je ne sais pas lire. Arrêtez quatre syllabes là. 4 syllabes. Tu vois, sub par exemple, je comprends. Subtilité, je comprends pas. Voilà. Vous savez que je sais pas lire. Vous le faites exprès. Pour répondre, les 4e sont devenus des 4. Attends, les 5e sont devenus des 4e. Donc les pires, c'est les 5e qui se prennent pour des 4e. Et les 4e, c'est. Oui, c'est relou. J'ai rien compris. Stagiaire, je l'ai tapé avec une tapette à mouche. Quoi? Mais t'as pas le droit de faire ça. Ah voilà, Antonio, c'est surtout les subs qu'il veut. Voilà, exactement. La subtilité, je ne comprends pas. Les subs, je comprends. Je trouve ça cool que tu arrives à en parler. J'ai une proche qui pourrait l'être, mais elle refuse d'envisager, donc de soigner. Ah, le déni dans les maladies psy, c'est généralement pas bon. Pas bon, hein. Après, on peut comprendre que, oui, effectivement, ce soit des diagnostics un peu chauds à entendre, mais et machin là. Il paraît qu'elle a combattu aux côtés de Bast et de Valar. J'ai combattu à côté de tout le monde. Ah, le refuge des chasseurs. Le refuge des chasseurs. C'est un mauvais rêve. Oublie-le. C'est quoi qu'il faut tant de bruit à côté de moi là?
Y'a quoi, y'a que des brouteurs là? Easy, y'a que des brouteurs. Désolé de casser l'ambiance. La corruption forme comme un nuage de fumée dans l'air. La chasse commence. Oh, attends, il est passé par derrière lui. On dirait qu'il ronge le métal. C'est peut-être ça qui rend les machines folles. Ça pourrait m'être utile un jour. Il y a encore un truc là. Pourquoi je l'ai pas pris? Ah merde! Les trucs de modif ils sont pleins. Dommage. Ah bah quand je mets des mots de une syllabe, tu lis pas. C'est faux, c'est faux. Si vous mettez A, O. Beau, joie, voilà, je comprends et je les lis. Non, j'ai arrêté. Je parle de tout moi et je pense que tout le monde autour de moi a bien compris que j'ai vrillé et que c'est grave. Lol. Ouais, bah pas lol, pas trop lol en fait. Tous les droits sur les stagiaires, y compris de les faire chanter du Goldorak. Mais non, mais c'est... quelle horreur, quelle horreur. Ben nous, les proches, on a compris, on subit parfois, mais elle, rien. Nous, on vous accepte comme vous êtes, pas de soucis. Et si on peut faire quoi que ce soit pour vous accompagner, ben vous le dites. Il est vrai. Vous m'accompagnez pour ma sieste. Alors, j'étais chez mon grand-père aujourd'hui. J'imagine que c'est ça, un grand-père. Hein. Oui, mon GP. Oui. Par contre, faites-moi plaisir, n'allez pas voir un psychiatre, mais bien une psychologue-psychiatre. Un psychanalyste, ah oui, non, un psychanalyste, oui, non, mais les psychanalystes, Freud et compagnie, quoi. Ah non, ça va aller, hein. J'ai pu voir ma cousine qui n'habite pas en France, ça doit faire 2 ans qu'on s'était pas vu. C'est cool, ça, hein. Ça, c'est trop bien. Mon père m'a donné la montre et la boîte à bijoux de ma grand-mère. Il m'a raconté une blague sur les initiales qui la faisait râler. J'ai pleuré et ri aussi, c'est cool. C'est cool. Psychologue de mon côté, je voulais. Heureux, Chrisou. On est dans les discussions un peu sérieuses là, mais comme d'habitude, évidemment, tu es le bienvenu. Hop, hop, hop. Donc c'est bien. Là-bas, il y a un feu. J'ai envie d'allumer le feu. D'allumer le feu. Mais les mecs! Merde. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Toi, je devais te marquer, toi? Non. Hop. Ni t'es lourde. Ah!
Allez, au pif. Au pif, ça marche à chaque fois. Qui viennent ? Quoi ? Crache-feu. Ouais. J'ai réveillé tout le monde par contre. Hein. J'ai réveillé tout le monde. Hein. Mais ok. Ok, bon, j'ai activé le feu, c'est bien. Quoi ? Zone de chasse. Ah, je suis dedans là ? Ok. Mais c'est pas ça que je veux moi. Ça, sécuriser les zones corrompues. Pile poil le même nombre de follow. Ça, c'est pas un signe qu'il faut faire de la coop ensemble. Je sais pas ce que c'est. Comment ça ? Comment t'as fait pour gagner autant de follow là en si peu de temps ? Je suis jaloux ? Ah, le mec il a acheté des follow quoi. Ah, du coup t'as passé les 200, ça y est ? Je paye. Bah GG, GG à toi, un petit air comme Rabia. Vous avez vu passer la queue, c'est ça ? Air comme Rabia. Ouais, mais toi t'as les meilleurs follow. Je suis sûr qu'on a quasiment les mêmes. Hein. Il joue à Zelda, lui, c'est vrai. En parlant de coop, c'est quand ? Pas ce soir. Effectivement. Demain soir. Je sais que demain après-midi. Demain après-midi, je fais du Portal 2 avec. Pourquoi ça fait quick, quick, quick comme ça là ? J'ai pas encore bien compris les indices auditifs. J'ai pas encore bien pigé comment ça marchait. Hein. Il m'a vu lui. J'ai attiré l'attention. Ok.
En fait, les streams de Flight Simulator amènent des follow. Les autres jeux, j'ai quasiment pas de follow. Portal 2, trop bien. Bah demain, avec avec Otonoshi, on termine la coop de Portal 2. On a plus que le truc numéro 6 à faire, donc ça devrait être plus que faisable. Mais merde, mais faut que j'aille là-haut. Évidemment, tu peux t'en sortir, y'a personne. Déconne pas, Aloy, évidemment que tu peux t'en sortir. Y'a des gens, y'a des quêtes. Allez, je n'ai pas d'éclat, et les vies sont en jeu. D'un ventre béant. C'est vrai, la mienne si je vais chercher tes copains. Je crois que tu as des amis en danger. Des employés, pas des amis. Une caravane qui doit faire affaire avec les Banouks via une piste qui grouille de machines. Ok. Je me suis assuré qu'ils aient un bon stock de flèches explosives, mais par le soleil, ils les ont laissées. Les cons. Quel genre de machine est-ce qu'on trouve sur cette piste? Des charognardes et des hautes pattes. Mais il paraît qu'on y croise bien pire. Ah ouais? Une chose qui attaque sans cri et gare. Sans flèches explosives, ils n'ont pratiquement aucune chance. Pourquoi ils ont pas pris leurs meilleures munitions avec eux? Je ne sais pas. Marzavid, leur chef, n'est pas du genre à faire des erreurs. J'ai apporté la caisse, j'espérais les trouver. J'ai passé la frontière alors que le commandant fermait les portes. Mais je ne survivrai pas si je m'enfonce dans les terres sauvages. Surtout avec toutes ces machines corrompues qui pullulent. Si jamais je croise la caravane, j'essaierai de les aider. Eh, gentil, hein. Bon. C'est toujours mieux que ce qu'ont proposé les minables qui traînent dans ce trou. Tiens, prends les munitions que j'ai préparées pour la caravane. Tu en auras besoin. Que le soleil brille sur toi. Ça va te plaire, c'est du grand spectacle. Sans Flight Sim, j'aurais beaucoup moins, alors qu'au début, je voulais pas streamer. Ah ouais? Pourquoi tu voulais pas en streamer? C'était quoi qui te posait le problème avec... le fait de streamer du Flight Simulator? Alors, je suis à 1050. Ah, le cœur de veilleur, j'en ai pas. Ah, j'aurais pas du tout vendre. Hein. L'échantillon gratuit. Trop bien. C'est où son truc de quête là? Oh! C'est tellement loin! C'est tellement loin. Les grands fronts. Je les ai pas encore vus, eux. Bon, bah, let's go. On va vendre la caravane. Elle a sauvé un grand nombre de vies. La tribu a beaucoup de chance de l'avoir. M'a dit, faut vendre la caravane. La vengeance des Nora. Non mais j'ai pas envie d'aller là. Qu'est-ce que tu me racontes? S'en fout. Car c'est un peu niche comme jeu, j'avais peur que ça n'intéresse personne, alors qu'en fait les seuls streams où je dépasse 10 viewers sans raid, c'est Flight Sim. Bah tu vois? Finalement. Mais des fois, moi je sais que c'est quand je fais du Mario. Les gens arrivent quand je fais du Mario. Je devrais faire du Mario tout le temps. Non, ouais, gardien. Je te préfère de loin. Je n'ai pas de grief contre les Nora. Et je n'ai pas de grief contre toi. Où est-ce qu'on est? C'est une zone de chasse, et j'en suis le gardien. Je propose des épreuves d'éléments à ceux qui veulent rejoindre le pavillon. Tu sais tout. Tu peux partir maintenant. Attends, ah, il est un peu raide. Si j'ai envie de tenter ma chance avec ces épreuves. Alors je dois te les faire passer. Ah, il est un peu raide quand même, hein. T'es pas très amical. Hein. Nah.
Oh, elle et Nora le sont. Vous n'avez pas pour habitude de tuer les étrangers et les intrus. Et c'est pour ça que tu as peur? Bon, j'ai pas choisi cet emplacement. On m'a dit que c'était un honneur, et puis on m'a collé là, près de vos terres sacrées. Alors, je m'en tiens à ce que je connais. Troupeau et épreuve. Ouais, Mario, et ça marche vraiment. Pour ne pas me faire tuer par des Nora rancuniers après les Raids Rouges. Soyons bien clairs, je n'ai pas prévu de t'assassiner, d'accord? Soit. Mais je te surveille. Je te surveille. C'est quoi ces épreuves? Elles testent le niveau d'un chasseur avec différents types de munitions. Si tu ne réussis pas dans les temps, tu peux toujours... Combien y a-t-il de zones de chasse? 5 en tout. Je suis... C'est quoi ce pavé? Comme son nom l'indique, un endroit où les chasseurs... Ça a l'air facile. Facile? Qu'est-ce que... Je sais que pour quelqu'un qui veut pas se battre avec les Nora... Parfait. Tu veux te frotter aux brutes du... Tu verras comme c'est facile de s'intégrer là-bas. Ok. Tu peux toujours revenir. Il a l'air bien con aussi lui, hein. Bon. Ah mais non, mais il y a un crasher. Non mais j'ai pas envie de... Non mais non. Les crashers, ils sont un peu durs quoi. Dur. Il y en a d'autres. Putain, c'est l'enfer, ces bruits de crasheurs dans le coin. Qu'est-ce que je suis venu foutre par ici? Avance, merci. Il faut que je surveille les phares des machines à travers les arbres. C'est pas le phare des machines, ça, c'est le jour qui tombe. Putain, c'est beau. Ah mais j'avais la grosse arme, ça se trouve la grosse arme sur les machins là, ça marche vachement bien. On peut les pulvériser. Il y a un cours d'eau, est-ce qu'il n'y aura pas des poissons? Quoi? Il y a un brave Nora là-bas! Vite, faut que je l'aide!
avoir. Non mais arrête. Il est parti. Tu peux leur parler ? Enfin les gars, je vous ai sauvés quoi. Je les connais pas quoi. Camouflage 100% et les cheveux de la même couleur que les herbes, c'est vrai ça. Si tu finis toutes les zones de chasse, tu casses le jeu. Comment ça je casse le jeu si, comment ça? Amical, celle tu finis Nora envers toi une fois que t'es 6 pieds sous terre. Hein. Bah, ça a l'air d'être le genre. Ouais. Moi j'aurais pensé qu'il montrerait particulièrement Amico avant, genre en tentant de se transformer. Ils sont humains à l'aide de ses flèches. Tu as coupé le chat, t'as besoin des herbes au sol. Ok, Numberity, y'a pas de soucis. C'est bien. Tiens. Tiens petit galopin. Hop. Bon, je peux leur parler maintenant ou pas? Non, ils veulent toujours pas me parler hein. Ah, si peut-être. Faut que j'améliore ma chasse. Ah d'accord, ok. Et grâce à toi, je vais pouvoir. Ok, merci. D'accord. Les armes gagnées au pavillon de chasse en récompense d'avoir terminé toutes les épreuves en or sont les plus puissantes du jeu. Ah ok, d'accord, ok. Bah, j'ai pas encore fait de trucs en or, donc... Je saurais quoi en faire. Ah. Merde. Je me suis paumé. Là-bas ? Il y aura un autre signal inconnu là-bas qu'il faudra que j'aille chercher. Ici nous avons donc un feu. Très bien. Et là j'ai ma quête. Voilà. J'espère que tu viens aider. On se fait massacrer par ici. C'est Lubavad qui m'envoie. Comment ça? Oh, je vois. Il t'a dit qu'il nous avait fourni une caisse de canne de rivage à la place des munitions. 3 vagues de veilleurs et de charognards jusque-là. Et on attend le pire. Sans munitions, on n'a aucune chance. Lubavad n'a pas parlé des cannes de rivage. Il a dit que vous aviez oublié les munitions. Alors ce vieux fou est devenu Miro. J'ai vérifié le chargement de chaque caisse 2 fois. Les glyphes indiquaient munitions. Mais quand j'ai ouvert, je me suis rendu compte qu'elle était pleine de cannes de rivage. Lubavad m'a envoyé parce qu'il s'inquiétait pour votre sécurité. La seule chose qui inquiète Lubavad, c'est son investissement. On fait le boulot, il compte les bénéfices. Pour les armures, c'est la même. Je farme un peu pour acheter l'armure violette Nora au début du jeu. Furtivité pour ma part. Je fais tout le jeu avec une seule arme. T'aimes bien les visages, ils sont vachement variés je trouve. Ils sont vachement variés, c'est plutôt pas mal. On peut reconnaître ça au jeu. J'ai apporté les munitions. Il y en a pour tout le monde.
Par le soleil, on va peut-être s'en tirer finalement. Alerte ! Un Outpat arrive ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un dindon géant ? Y'a un dindon géant ? Non mais casse-toi ! T'arrives pas à viser avec tes conneries là. Y'a un dindon ! Merde, le dindon il m'a tapé. Hein. Aïe ! Oh le dindon ! Aïe. Oh. Ah oui d'accord. Allez saute-moi dessus. Ah voilà. Connard de dindon. Quoi ? Oh mais non ! Et merde. Putain ! Oh mais oh, les charognards c'est ouf hein. Quand on est mal barré. Et merde ! Attends je vais te buter. Toi je vais te goumer. Voilà. Toi je t'ai goumé. Hop là. Toi je t'ai goumé. Oh bah la flèche. Allô ? Merde. On est bon là. Tu te bats drôlement bien, étrangère. Je suis étonné que Lubavad ait payé quelqu'un de si talentueux. Il m'a pas payé. Il m'a pas payé en fait. C'était de bon cœur. Merde. Ne fais jamais confiance à un marchand Karja. Chef, les noyaux sonores ont disparu. Quoi? C'est impossible. À moins que Dirid les ait pris. Qui Dirid? La première vague a attaqué un de nos hommes affilés. Dirid. Je l'ai pris pour un lâche. Apparemment, c'est un voleur aussi. Il doit pas être loin. C'est vrai, mais on n'est pas en état de le poursuivre. Alors je vais le rattraper. Mais cette fois, je veux un salaire. T'apprends vite, hein. Ok. Ramène ces noyaux sonores et je te paierai. J'aurais dit autruche ou émeux plutôt que dindon. Non, c'était un dindon géant. Je l'ai vu. Ils savent pas compter. Comment ça, ils savent pas compter? Les autres sont des trackers, pas des hauts de pattes. Gubel. Ah oui, bah oui. C'est pas les mêmes, ouais. Il y avait trois trackers et un dindon géant. Et puissant. C'est peut-être le dindon de la force. Oh, là, j'avoue. Bien, ouais. Sûrement besoin. Allez, petite sauvegarde. C'est où après ? Trouver Dirid.
La forêt est dense et touffue. Je vais par où là ? Ah, j'ai encore me paumé. Oh, il tombe le petit animal. J'ai attrapé la peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Mais regardez-moi ces paysages là. Comment c'est trop joli. Je garde ça pour la route. Ah bah le là, non? Bonjour Dirid. Qui êtes-vous? T'es vraiment pas loin, ouais. La caravane m'envoie. La caravane? Quelle caravane? Celle que tu as sabotée. Tu t'es dit, sans flèche explosive, pas de survivant. Un crime sans témoin. Écoutez, étrangère, j'ai des dettes. Soit je les paie, soit je me fais crever les deux yeux. Quoi ? Non mais genre maintenant, ils ont un camouflage. Putain mais... Prenez. Si je l'enflamme... Il est où? Il est là. Putain c'est un prédateur. Tu vois si t'es enflammé, connard? Bah je te vois. Merde. Il est où? Il a fait le tour. Enfoiré. Enfoiré, il est malin. Caravane, ils vont bien? Oui, je suis arrivée à temps. Merci. Lorsque je rejoindrai le soleil, puisse-t-il brûler... Il y a de la lumière à l'intérieur de la bouche. Mes péchés. Il y a de la lumière qui sort de sa bouche. A priori, il avait vraiment un gros trou. Hein. Sa mort rachète un peu sa vie.
Par contre, c'était quoi cette... ce machin là? Là, j'ai du crasher, je m'en fous. Mais là, il y avait du... il y avait un truc... Jean, il était... Ah non, là c'était un tracker, ça. Voilà. Non, pas ça. S'il vous plaît, pas ça. Je me cache. Regardez, je me cache. Et donc, faut que je... je peux faire de l'artisanat et augmenter la taille de... Ah, il me faut des os de renard, merde. Ou alors les modifs. Inventaire, les modifs. Attendez. Il y a les assez rares, il y a les rares. Regardez ça par exemple, c'est nul ça. Ça, on va jeter. Hop! Du coup, je peux fouiller le tracker. Et avoir ça. Parfait. Ah, par contre, il faisait mal le machin là. Donc, ça, c'était un tracker. Bah, les trackers, je les aime pas trop, hein. Faudrait que je trouve un renard, quoi. Et du sanglier cuit. Tout cuit le sanglier. Ils sont là. Te revoilà. Avec les noyaux sonores. Et ouais. Et Dirid ? Un tracker l'a eu. C'était pas joli. Et t'as vaincu un tracker. Ça mérite une prime. Tiens, prends ma part. Tu l'as mérité. Je m'occupe de la caravane pour la suite. Je pense que tout ira bien dorénavant. L'autre il tout seul. Hein. Faut aller en forme quand même. Hein. Allez hop. Sauvegarde là. Donc faut qu'on retourne là-bas. Ah ouais. Et quoi comme quête? Ah mais je suis à côté. Ah mais ouais, je suis vraiment à côté. Quoi là? Tu risques de révéler ma présence.
Oh là là, mais quelle gros naze. Voilà. Merde, je crois que l'autre il m'a vu. Non, il m'a pas vu. Critique. Bisous la charogne. Allez bam. Plus de place. Mais merde. Parce que j'ai pas buté assez de renards, quoi. Ça doit être le creuset dont parlait Dral. Il doit y avoir un moyen d'entrer. Forcément. Laisse les renards tranquilles. Bah non, faut que je les tue. Sinon, je peux pas augmenter ma sacoche. Ça, c'est de la porte. Mais comment ça s'ouvre ? Noyau de traitement puissant de conception inconnue, source proche. Mes bottes vont être humides. Qu'est-ce qui fait ce bruit là ? J'ai un renard là. Il va me filer ce que je veux. Un crâne porte-bonheur, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Encore un renard là. Désolé hein, petit renard. Désolé. C'est pour que ma sacoche soit plus grande. Il voit rien de personnel. Je vais garder ça pour la route. Tu sais, je pense que les poules qu'on mange, la plupart, c'est pas les renards. Hein. Je pense que la plupart des poules qu'on mange, les renards y ont pas accès. Hein. Ah, renard, non ? Ah non, raton. Là que je commence à confondre les renards et les ratons, quoi. On sait
sait jamais, ça peut servir. Évidemment que ça peut servir. Il y a un truc ou pas là? Ou est-ce que je suis en train de me fourvoyer complètement là? Ah, petit renard là-bas. Il est en train de partir l'enfoiré. Non, il est en train de tomber. Non, toujours pas. Étudiant, c'est quoi ce truc? Je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Merde! Merde! Yes, je l'ai eu. Putain, c'est chaud. C'est chaud. Je sais plus où j'étais. Non, c'est un renard, ça.
renard. Très discret. C'était très discret. Ah mais source proche, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, bonne viande. Est-ce que ça me permet de... Non, toujours pas. Hein. Non, mais c'était arête de poisson, ça. Merde, mais c'était pourquoi qu'il me fallait du renard ? Ah, c'était les sacoches de modification, c'est ça. Et je comprends pas. Je comprends pas. Maintenir pour pirater. Bah ouais. Bah évidemment. Les lumières marchent encore. Hein. C'est assez ouf. Hein. Explorer le creuset. C'était quoi comme niveau ça hein? Niveau 8, ça va. Je suis niveau 16 maintenant. Mal quoi. Le métal, la lumière, c'est comme si cet endroit faisait partie d'une énorme machine. Mais qui l'a construite ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'il y a des machines qui construisent des machines. Ce truc ressemble à un tuyau triangulaire. À quoi ça sert ? Conduit de conception inconnue, vulnérable aux impacts.
Après, je vais vous laisser. Bonne soirée à plus et bonne nuit pour ceux qui vont dormir prochainement. Et bah, des bisous, Gabel. Et bah, j'espère que toi, tu passeras une bonne nuit. Occupez-vous de vos affaires. Ces trucs déplacent des composants. Je me demande où. Ça m'aidera. Bon, comme d'hab, hein, j'y vais pas. J'y vais pas en mode sneaky. J'y vais pas trop en mode sneaky. Mais non, mais y a des. Il y a des grosses machines là, ça me fait peur. Et des rats aussi, ça me fait peur aussi. Ça sera notre dernière quête pour aujourd'hui, hein. C'est juste une lumière, ça. Okay. Ouais, mais monte. Ah petit mur. Un petit mur invisible. Mignon les rats, bah oui, ils tirent à tout, c'est pour ça qu'on n'est pas méchant avec eux. Ils ont réseau. Cette chose près du fossé, à quoi ça sert? Eh bien, on va le savoir dans pas longtemps. Attendez, il y a Rabia qui veut sortir, je la sors. Rabia veut sortir, mais il y a du monde dehors, donc du coup elle veut plus sortir. J'adore ce chat. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Putain, c'est beau. Tire comme Rabia.
Écoutez, il suffit de demander. R comme Rabia. R comme Rabia. La porte a pas l'air en forme, hein. Déplace des composants. Elle pourrait peut-être m'emmener. La machine ne m'emmènera pas plus loin. Ok, j'ai fait un bon petit tour là, je suis content. Attendez. Hop, viens par là toi. Tu aurais appelé des renforts. Mais non. Pas de renfort. Aïe. Je crois que je suis tombé. Quoi? Quoi? D'accord. Et je crois que j'ai compris. Un petit chat. Petit chat, bien. Non, 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 casse-toi. Barrez-vous. Non.
C'est bon, tout va bien. Mais... Merci. C'est tout, hein, c'est le seul... C'est ça, oui. Rien à voir ici. Merde. Non, non. Quel con. Bon, faut que j'aille où? Faut que j'aille là-haut. C'est quoi ça? C'est ce truc là. C'est super joli, hein. Putain, le machin, c'est la matrice, quoi. Le creuset. Vous avez vu, c'est comme dans Doom. Elle creusait dans Doom aussi. Là, il y a des trucs. Regardez. J'espère qu'elle va pas bouffer les champis bizarres là quand même. Parce qu'ils sont vraiment chelous les champignons. Là j'y touche pas, hein. Tellement beau. J'adore cette ambiance. J'approche du cœur. J'ai tout cassé ? Est-ce que j'ai tout cassé dans le noyau ? Une caisse, ok. Toujours aussi classe quand elle descend. Hein. J'aurais dû prendre un chariot. Ben, ça c'est rigolo. Ça c'est rigolo, c'est parce que du coup mon inventaire il est plein, donc elle me dit que le bonheur est irréductible.
Il dit... Par là ? Oui, c'est par là. Ah, voilà les caps, quoi. C'est vers ça des inconnus, ça faisait longtemps que je l'ai pas entendu. Bah, je suis ravi. Mais du coup, faut que je fasse quoi? Pirater le noyal. C'est où que je le pirate le noyal? C'est bien mignon, mais. Déjà. Je peux le buter lui? Non. Vous croyez qu'au moment où je vais descendre, il va s'activer? Oui. C'est tellement gros comme une maison qui va s'activer au moment où je vais m'approcher. Ou quoi que ce soit, aille là. Je commence déjà à grogner. J'aime pas ça. J'aime tellement pas ça. Ça pue la merde. F5? Comment ça F5? Ah non mais violet c'est bien, non? Je crois que violet c'est mieux que ce que j'ai. Hein. Les modifs. Qu'est-ce que j'ai de nul? Plus 5 en gel, mais ça on s'en fout. Ça on s'en fout. 5 en discrétion, allez, on s'en fout. 6 anticorruption, j'en ai 2, on s'en fout. Là 48 au maniement de bobine. Ah, sauvegarde rapide? Non, y'a pas. Y'a pas de sauvegarde rapide. On peut sauvegarder que au feu. Enfin, j'ai l'impression. C'est où que c'est qu'on pirate là? Ah oui d'accord. Ok. C'est bon j'ai vu. Voilà.
Salut Neruda. Ah non. Je me fais défoncer par ça quoi. Sans blague. Ça marche pas ? Ça marche pas ? Ok. Merde. On va faire un truc. Merde. Voilà, déjà plus de dégâts. Hop là. Merde. Oh putain. Je sais pas. Je vise trop mal, je vise trop mal, je vise trop mal. Voilà. Des petits sauts, des petits sauts. Allez. Ça fait peur.
Reaper, mais je l'ai eu. Ça, on a déjà piraté. On va dans le grand truc au milieu là. On va pirater ça. Ça m'aidera à les pirater. Ah. Oh, c'est malin. Je peux tellement les dents de scie. Genre, je vais pouvoir pirater les dents de scie. Genre. Genre, je vais pirater les dents de scie maintenant, quoi. Ah, cool. Oh, mais cette vidéo est bien beaucoup trop longue. Putain, je suis pris par le jeu, c'est ouf, quoi. Je suis tellement pris par le jeu, la partie de chasse. C'est les chasses, ok. Non, bah on va aller à un... On va aller à un feu et puis... on continuera une prochaine fois. Qu'est-ce que je peux faire? Mes compétences... J'ai 3? Ah, je peux... Alors, j'aurais 3 flèches. Ou la recharge... Putain, la recharge rapide, ça serait tellement bien. En fait, la recharge rapide, ouais. Ça m'intéresse. Hop. J'ai des modifs, j'ai des ressources. Oh, j'ai gagné tellement de trucs. Ça, je peux pas prendre. Et j'ai 1600 balles. Hein. Non. Et en plus, j'ai 1600 balles. Du coup, ici, capacité de stockage, qu'est-ce que je peux faire? Ok, ça s'est amélioré, c'est cool. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça se trouve, voilà, maintenant j'ai la place. Non, ça, j'ai pas la place toujours. Non, mais on est bien. Oh là là, oui. Oh, les armes. Allons-y. Déplaçons-nous. Site de veilleur et t'estudiens. Et toi, t'estudiens. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Je vous jure. On rigole, mais... Mais là, on va surtout au feu de camp. On va sauvegarder. On va faire une sauvegarde manuelle. Quoi? Ça a marché ou pas? Ouais, oui. Allez, petite sauvegarde rapide. Hop! C'est parfait tout ça? Les machines, elles sont comme folles. Hop, et je vais vous laisser ici YouTube. Merci beaucoup. À la prochaine.